C'est tout à fait mérité, hein. Votre livre est vraiment très fort. Merci. Toi, t'as été très très bon, hein. J'ai lu le beau livre de Karim D et ne rêve que d'une chose, qu'on me l'offre une seconde fois. Je change de statut, là. Les éditions Glossière viennent de prendre connaissance des messages haineux rédigés par Karim D sous le pseudonyme d'Arthur Rimbaud. Non, c'est pas que des tweets, ils sont relayés partout. Ces messages datent du moment où j'écrivais sous un pseudonyme. Arthur Rimbaud, c'était de l'humour. Je dirige une maison d'édition et vous venez de torpiller vos ventes. C'est France Info, ils veulent Karim dans la matinale. Voilà, ça commence. J'ai l'impression que ma génération veut tout le temps être dans la course. Je suis devenu un fréquentable. J'ai plus envie qu'on nous voit ensemble, d'accord? Ok, donc tu vois pas le troisième degré là-dedans. Ces messages là, ils veulent dire quelque chose, il y a un sens. Twitter, c'est une course comme une autre. C'est quoi toute cette merde que t'as dans la tête? Tweeter, c'est comme respirer. Un tweet, c'est une respiration. Un tweet, c'est une respiration. Attends, tu les connaissais ces messages? T'as même appelé les gens à me suivre. Je serais surpris que personne ne porte plainte. Bah ouais, parce que ça t'arrangerait bien ça. Tu me préfères dans ma banlieue et t'as trouvé le moyen de m'y ramener, c'est ça? J'attendais qu'on m'arrête et personne n'a jamais rien fait. Et plus c'était trash et plus on me suivait. Mais Karim, c'est pas moi qui t'ai appris à penser comme ça. C'est sûr qu'ils nous préféreront morts. Les écrivains, on les préfère toujours morts.